François, si je t'ai fait venir dans mon bureau, c'est pour te parler d'une chose très importante. Oui, bien sûr, je m'en doute bien. Sinon, je ne t'aurais pas dérangé dans ton travail. En effet. Il y a en ce moment un gros problème dans l'équipe. Cela crée une mauvaise ambiance au travail. Tu vois de quoi je veux parler? Non. Bon, stop, je vous arrête. Bon, ça va pas du tout. Hein. Alors, je vous rappelle ce qu'on s'est dit en atelier théorique ce matin. Un conflit avec un collaborateur, ça se gère en entrant tout de suite dans le vif du sujet. Hein, en exposant immédiatement toutes les données du problème. Jean-Paul, vous n'êtes pas assez direct. Ah ouais, moi j'avais prévenu, hein, les jeux de rôle, ça n'a jamais été mon truc. Hein, genre. Oui, mais c'est important le training. Oui, mais enfin, dans la réalité, ça se passe jamais comme ça, donc... Mais si. Et plus on est préparé, plus on est réactif quand ça arrive. Allez, on y retourne. Ouais. Tu comprends, François, Marilyn sort de mon bureau, elle en a assez. Cela fait 10 fois que tu l'invites à déjeuner et 10 fois qu'elle te refuse. Ben oui, mais il y a des femmes à qui il faut du temps. Non, pas du tout, tu dois comprendre qu'elle n'en a pas envie, c'est tout. Bon, c'est mieux. Oh. Oui, oui, oui. Jean-Paul, cette fois-ci, vous êtes allé beaucoup plus vite à l'essentiel. Vous êtes encore un petit peu trop gentil. Soyez plus ferme. Ah bon? Ah oui, 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 parce que là, le manager, il rigole, hein. Oh, ça va. Bon, allez, allez, on reste concentré, oui. On y retourne, hein. Bon, François, tu vas cesser immédiatement de harceler cette pauvre Marilyn. Oh, ben oui, mais elle n'a qu'à s'habiller autrement qu'en mini-jupe et en bottes. Parce que ça, ça énerve. Tu vois, ouais, c'est vrai, le fait que ça énerve. C'est... Non, 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 Jean-Paul. Non, non, il ne faut pas donner raison à cette espèce de gros macho. Il faut toujours que vous gardiez la main. C'est vous le manager. Et puis, il vient de faire un truc que vous ne pouvez pas laisser passer. Vous lui rentrez dedans. Hein? Allez, on y retourne. Hey, tu te prends pour qui à sauter sur tout ce qui bouge, espèce de connard? Mais je t'emmerde, manager de mes deux. Je t'emmerde, je saute sur qui je veux. Et c'est pas toi qui m'en empêchera, pauvre con. Alors là, c'est peut-être un tout petit peu... Oh, beaucoup. Toi, ta gueule. Ouais, ta gueule. Ça fait 6 mois que tu nous fais chier avec ta formation à la mort moelleux. Mais attends, mais tu crois que ça m'amuse, pauvre tâche, d'essayer de donner du sens à ce que font deux bulots comme vous? Autant pisser dans un violon. Alors maintenant, on arrête pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain, 9h, atelier gestion du stress.